Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au classement des 7 puissances nucléaires dans le monde. Nous faisons cette vidéo dans le but de donner un classement réel approuvé par la Fédération américaine des sciences, qui en mars 2021 dévoile le classement réel concernant la répartition de l'armement nucléaire dans le monde. Alors, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et de cliquer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos épisodes. Merci et découvrons maintenant le classement des armements nucléaires dans le monde en fonction des pays. Merci et bon visionnage. Concurrence directe avec le Pakistan, l'Inde figure à la 7e place des pays possédant l'arme nucléaire. Selon la Fédération américaine des sciences, elle aurait près de 160 ogives non déployées, sachant que le pays est non signataire du traité de non-prolifération de l'arme nucléaire. Traité qui parut en 1968, dont je vais faire une vidéo sur ce traité. L'Inde a toujours eu des tensions avec le Pakistan, dont il continue à déployer son armement nucléaire paru en 1950. Mais elle s'est engagée à ne jamais attaquer un pays lors des guerres ou lors des conflits avec l'arme nucléaire en premier lieu. Selon la Fédération américaine des sciences, le Pakistan serait 6e dans le classement des puissances nucléaires, avec un total de 176 ogives nucléaires non déployées. D'autres sources estiment que le Pakistan dispose d'un arsenal conservé dans un stockage central. Elle commence son programme nucléaire dans les années 70 sous l'égide de Soulif Ali, premier ministre à cette époque. La motivation principale du Pakistan était de dépasser l'Inde dans une façon stratégique dans l'arme nucléaire, dont elle dépasse le dieu d'une façon très éloignée. Elle est non adhérente au critère de non-prolifération de l'arme nucléaire et a les soutiens des puissances telles que la Chine, l'Arabie Saoudite et la Corée du Nord. Moins offensive que la France, le Royaume-Uni possède près de 195 ogives nucléaires, dont 120 sont déjà déployés dans un contexte de dissuasion. Le Royaume-Uni promeut une utilisation propre du nucléaire grâce à leurs avancées technologiques, en exploitant la puissance de ses 15 réacteurs nucléaires pour subvenir aux besoins énergétiques du pays. Et limite ses investissements aux emplacements des sous-marins et de son stock d'ogives vieillissantes. Sur le premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, semble s'écarter de l'ambition de la puissance atomique suite à son annonce de l'augmentation de 40% de la plateforme d'ogives nucléaires le 16 mars 2021, ce qui contraste avec la volonté de ses prédécesseurs qui s'engagent dans la réduction des arsenaux nucléaires. Tenant la Chine de près, la France dispose d'un total de 290 ogives atomiques, dont 280 déployés. La France est un grand défenseur du non-prolifération de l'arme nucléaire, mais conserve sa puissance de dissuasion militaire. Dans le but de protéger l'Europe contre les attaques nucléaires extérieures et de protéger l'Europe contre les guerres lors de périodes comme celle-ci où la Russie est une menace européenne en attaquant l'Ukraine et d'autres pays dans le futur. Pour expliquer cette dualité, Emmanuel Macron a éclairci la position de la France face aux vœux de désarmement, mais aussi face à la garantie de sécurité européenne dans la dissuasion. Il était dans son discours le 8 décembre 2020. Nous rappelons que la France est également la troisième puissance à obtenir l'arme nucléaire des années 50-60 pendant la guerre froide. La France a donc obtenu ses premiers essais d'armes nucléaires. Elle est aussi un signataire du traité de non-prolifération de l'arme nucléaire en 1968. Qui est la date de parution de ce traité? À la troisième place de notre classement des détenteurs des armes nucléaires, la Chine enregistre un inventaire de 350 ogives nucléaires, dont 0 déployés. Suivant le rapport de la Federation of American Scientific, tout comme l'Hexagone, la politique du pays sur ce reste stratégique, visant à grandir la position réelle en cours d'armement. Ayant commencé ses recherches de l'arme nucléaire dans les années 70, la Chine n'a pas dévoilé ses réelles ambitions militaires. Donc, sur les bombes atomiques, et exploite donc cette ressource dans les fins civiles et énergétiques, malgré la politique massive
de la Chine. En termes d'armement, les observateurs se méfient grandement de sa capacité à jouer sur les chiffres et sur les projets d'exploitation atomique, car selon certaines rumeurs, en novembre 2022, sur la création d'un vaste réseau de tunnels souterrains pour transporter facilement et cacher ces bombes atomiques. Rejoignant la Russie à la tête du classement des pays possédant l'arme nucléaire, le pays des Balkans au moment dispose d'un arsenal de 5550 ogives, dont 1700 déployés et 3800 stocks. Les deux pays totalisent ainsi jusqu'à 80% de l'arme nucléaire dans le monde. À ce jour, les États-Unis sont la seule puissance à avoir utilisé l'arme atomique dans le contexte d'une guerre, c'est-à-dire le 6 et le 9 août 1945, lors de la Première Guerre mondiale, ont ravagé les villes de Hiroshima et Nagasaki au Japon, faisant plus de 10 000 morts. Lors de cette attaque, qui est connue comme l'attaque la plus dévastatrice au monde, aux stratégies de désarmement des États-Unis qui ont tenté de respecter le pacte de non-prolifération de l'arme nucléaire. Ceci est impossible, guidé par ses présidents successifs aux visions concrètes, font échouer à plusieurs tentatives, comme avec Barack Obama en 2009 avec le projet Global Zero, promis par le président Barack Obama à travers le projet sans armes nucléaires, mais avec le président Donald Trump, suite à des conflits internationaux au Moyen-Orient, le compteur est remis à zéro. N'oublions pas que les États-Unis est le premier pays à avoir fait le test de l'arme nucléaire dans les années 1949, lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle est aussi signataire du traité de non-prolifération de l'arme nucléaire. Suivant le rapport de la Federation of American Scientific, la Russie détiendrait 6257 ogives nucléaires, prenant ainsi la tête du classement. Le plus grand rival en termes d'exploitation nucléaire, que ce soit dans le cadre civil ou militaire, mais elle disposerait aussi 1600 ogives déployées sur les missiles internationaux, sur les bases bombardières lourdes, ainsi que plus de 2887 ogives non déployées. La Russie commence son aventure atomique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. En 1961, la bombe de 57 mégatonnes, baptisée Tsar Bomba, a été testée sur le Novaya Zemlya et a été enregistrée comme la plus grande puissance de toute l'histoire de l'arme nucléaire. Le développement nucléaire russe prend plusieurs visages. En dehors du contexte militaire, la Russie utilise beaucoup de ses ressources atomiques pour les biais de Rheinstoff, un holding d'État destiné à la recherche technologique nucléaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin, portant sur les 7 puissances nucléaires dans le monde. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Si la vidéo vous a plu, faites-nous le savoir dans les commentaires. Partagez la vidéo car le lien est dans la description. À la prochaine épisode, mes chers abonnés et commentateurs.